Mais pour Sophie, à 18 ans, on prend l'amour très au sérieux, on y rêve, on en a peur, et parfois même on le déteste. Homme du monde et soudard, tout ce qu'une femme peut désirer. Je comprends ton succès. Alors, Sophie, tu t'amuses, ivrogne? Je suis au 7e ciel. Hein? Et au combienième verre? Mystère. Après 2 verres, je ne sais plus compter. De toute façon, je ne fabouille pas encore. Bafouillé, pas fabouillé. Quoi? Bafouillé. Ah? Oh, du champagne. Victor Hugo sur son rocher. Casanova, les fêtes foraines. Oh, ça ferait un joli titre. Si vous écrivez vos mémoires, je vous le donne. Je n'écris que des très mauvais romans. Mais justement, ce serait dans le style. Qu'est-ce qui te fait rire? Mais nous échangeons des vacheries, comme d'habitude. Chérie, tu prendras la voiture pour rentrer. Louis et moi devons passer chez des amis. J'ai oublié mes clés. Tiens, mais n'oublie pas de les remettre sous le paillasson. Si j'oublie, Louis ouvrira avec les siennes. Il ferait mieux d'ailleurs d'avoir un passe-partout. N'est-ce pas, Casanova? Oh, écoute, tu as ce but comme ça, toi, hein? Louis, j'ai perdu ta lettre. Je l'avais en quittant la maison. Mon Dieu, si quelqu'un la trouve. Ne t'inquiète pas. Je sais vivre. Quand je crie des horreurs à une femme, je ne mentionne jamais son nom. Tu en es certain? Absolument. Merci pour la robe, merci pour la soirée. C'était formidable. C'est pas difficile. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les gens? À moi, rien. Mais je leur en veux d'être comme ils sont. Je suis contente d'être différente. Puis en même temps, ça me rend triste. Et te faire les comptes avec papa tous les soirs dans une salle à manger dégueulasse, c'est quoi à ton avis? Tu sais, je ferai des additions toute la journée pour avoir encore un père. Oh, je t'ai fait de la peine? Non. Pardon. Oh merde, mon bas. Tiens. Ah, c'est l'écriture de Louis, ça doit être à ma mère. Finalement, je le trouve pas mal, l'ami de ta mère. Moi, rien que de le voir, ça me dégoûte de l'amour. Oh, tu dis ça de tous les garçons. Pourtant, j'aimerais bien être amoureuse, tu sais. L'amour, c'est un bien grand mot et une bien petite chose. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu philosophe? C'est toi qui as dit ça l'autre jour. Ah? Idée d'inviter tout ce monde. Et quel monde!